Bonjour. Aujourd'hui, notre histoire s'appelle Le prince Nino à la maternouille. Quel drôle de mot. Nous allons découvrir ce que cela veut dire. Dans le jardin royal de l'immeuble royal, le prince Nino joue avec sa pelle et son seau. Près de Nino, la princesse Azalée chantonne. Demain je rentre à la grande école, et pas toi. Elle regarde Nino et elle continue avec son air de fripouille. Toi tu es un petit, tu rentres à l'école maternouille. Chaque fois que Nino pense à la maternouille, c'est automatique. Il a la trouille. Dans les allées royales du jardin royal, une vieille apparaît. Elle avance. Cahin, cahin. Azalée chuchote. C'est la sorcière du premier étage. Nino devient pâle. Azalée sourit. Elle n'est pas méchante. Elle a même fabriqué une boisson magique. Exprès pour moi. Une potion anti-trouille. Nino regarde la vieille qui s'éloigne et il pense « Une potion anti-trouille, voilà ce qu'il me faut !» Nino va sonner chez la sorcière et lui dit « Aide-moi sorcière, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas quitter ma maman !» La sorcière se gratte le menton et elle propose « Et si ta maman restait avec toi dans la classe ? » Nino soupire. Impossible ! Elle n'a pas le droit ! La vieille ricane. Sauf si personne ne s'en aperçoit. Demain, quand la cloche de l'école sonnera, tu prononceras cette formule magique. Minima, miniman, dans ma poche, à l'instant. Et tu verras. Ce qui arrivera. Le lendemain matin, Nino et sa maman la reine arrivent à la maternouille. Oh, quelle bousculade autour de la maîtresse! Nino pense très fort à la formule magique de la sorcière. Il attend, mais la cloche ne sonne toujours pas. Nino a une idée pour que sa maman reste encore un peu. Il s'écrie. J'ai envie de faire pipi! Dans les toilettes de la maternouille, Nino s'est lavé les mains au petit lavabo. Derrière lui, sa maman la reine s'impatiente. Soudain, Nino entend la cloche sonner. Il sursaute. Vite, il prononce la formule magique. Minima, minimam, dans ma poche, à l'instant. Et sous ses yeux, sa maman rapetisse, rapetisse. Si bien qu'à la fin, elle n'est pas plus grande qu'une souris. Quand Nino entre dans sa classe, il a les yeux brillants. Il vient de cacher sa minuscule maman dans sa poche. Personne ne s'aperçoit de rien. À côté de lui, le prince Tatave renifle dans sa manche. Et la princesse Lisou se cache derrière son doudou. Nino, lui, n'a pas envie de pleurer. Il a même un grand sourire. Au creux de sa main, il sent la toute petite main de sa maman. La maîtresse regarde Nino et elle lui demande « Et toi, avec ton si beau sourire, comment t'appelles-tu » Nino veut répondre, mais au même moment, sa mini-maman escalade sa poche. Surpris, Nino s'exclame « Tiens-toi tranquille !» La maîtresse s'étonne « Tiens-toi tranquille ? Quel drôle de prénom !» Et tous les enfants éclatent de rire. Au moment de l'atelier patouille, la maîtresse enfile un tablier à Nino. Il s'inquiète. « Sa maman va manquer d'air là-dessous !» Nino commence à peindre. Mais en même temps, il cherche à ouvrir son tablier pour que sa maman respire. Et soudain, catastrophe, Nino renverse son pot de peinture. Splash ! Nino est tout éclaboussé.
du fond de la poche sa maman rouspète. Ton habit royal tout neuf, c'est malin. À midi, comme toutes les maternouilles, c'est l'heure de la cantouille. Nino s'assied à côté du prince Tatave. Tatave ne renifle plus dans sa manche, mais il a le ventre qui gargouille. Il crie tout joyeux. Chouette, il y a des betteraves. J'adore les betteraves. Nino déteste les betteraves. Tatave propose. Tu me donnes tes betteraves? Je te donne mon fromage? D'accord? Mais la maman de Nino tambourine dans la poche. Mange tes betteraves, c'est plein de vitamines. Nino grimace et il prend sa fourchette. Plus tard, dans la cour de récréation, Tatave s'élance sur une trottinette. Le dernier arrivé est une andouille, dit-il à Nino. Vite, Nino grimpe sur une autre trottinette. Roum, roum, il file à toute allure. Il va gagner la course. Mais accroché au bord de la poche, sa maman supplie. Pas si vite, j'ai mal au cœur. Sa figure est verte comme une courgette. Nino ralentit et c'est Tatave qui gagne. Zut et zut, se dit Nino, je ne pourrai jamais devenir un champion dans ces conditions. Après la récréation, c'est l'heure du roupillon royal. Mais Nino n'a pas sommeil. Il se tourne et se retourne. Sous les draps, sa maman gazouille. Fais dodo, Nino, mon petit prince, fais dodo, t'auras du lolo. Nino pose sa main sur la bouche de sa maman pour la faire taire. Mais sa maman continue à chanter. La maîtresse a l'air d'avoir entendu. Nino pense. Décidément, avoir sa maman à l'école, ce n'est pas un cadeau. À 4h30, c'est l'heure de la sortie royale. Le royal papa de Nino est là. Il dit, il paraît que tu n'as pas pleuré, mais tu as fait quelques bêtises. Nino commence, c'est à cause de ma... Il se rattrape de justesse et lance, c'est à cause de ma trouille. Son père sourit, je comprends. Moi aussi j'ai peur quand je vais quelque part pour la première fois. Nino baisse la tête. À l'intérieur de sa poche, sa maman s'est endormie. En arrivant à l'immeuble royal, Nino monte au premier, chez la sorcière. Il sonne, personne, il ressonne, toujours personne. Nino est désespéré. Il ne connaît pas la formule magique pour faire grandir sa maman. Alors il la prend dans ses mains et il pleurniche. Je voudrais que tu sois comme avant. C'est vraiment mieux quand tu es une grande. Puis il ajoute avec colère. Je ne veux plus que tu viennes à l'école avec moi. L'école, c'est pas pour les mamans. Aussitôt, la maman de Nino se met à grandir. Grandir. Ouf, se dit Nino. Et il saute dans ses bras en lui faisant des papouilles royales. Demain, sa maman l'attendra à la sortie avec les autres mamans reines. Demain, c'est décidé, Nino ira à l'école tout seul. Demain, c'est sûr, il aura une paix royale.